Charles III embarrassé, cette importante réunion à laquelle il y a eu trop d'absents. La famille royale ne cesse pas pressée à cette formation mise en place par le palais de Buckingham, des cours spécifiques destinés à éviter les scandales. Aucun membre de la famille royale n'a suivi les cours. Bien que Charles III ait à cœur de moderniser la monarchie britannique, certains changements font encore reculer la famille Windsor. Le palais de Buckingham aurait, selon le Daily Mail, mis en place des cours de diversité et d'inclusivité à destination des courtiers et du personnel de la firme. Une source a confié au quotidien. Je ne crois pas que des membres de la famille royale aient pris part à cette formation. Il y a quelques mois, alors que Charles III n'était roi que depuis peu de temps, un scandale avait éclaté à la cour d'Angleterre impliquant une dame de cour, Lady Hussey. Celle-ci avait été accusée de racisme lorsqu'elle avait demandé à une invitée à la peau noire lors d'une réception « Mais d'où venez-vous réellement ?» Depuis cet incident qui avait fait des vagues, les conseillers en communication de la famille royale ont décidé que des cours pourraient peut-être arranger les préjugés inconscients de certains, comme les appelle le prince Harry. Charles III impose son style et une grande nouveauté à Buckingham. Le roi Charles III a pourtant donné l'exemple. Il veut faire taire les mauvaises langues avec ce gros changement remarqué par le Daily Mail ce 2 juillet 2023. Charles III a embauché une femme de couleur au poste d'assistante du secrétaire privé, l'un des rôles les plus importants de la cour. D'origine pakistanaise, la jeune femme dont le nom n'a pas été communiqué, est la première femme métisse à être embauchée à ce niveau de responsabilité par le palais. Une source du Daily Mail a déclaré : il s'agit de toute évidence d'une décision prise en pleine conscience par le roi afin de ne pas se limiter aux caractéristiques classiques du mâle blanc.